Ouais, bibliothèque. Ouh. Non, bon, bah, on s'est fait tout ça quand même, dis donc. C'est bien. Lui parle pas comme ça, Nightbot. Il va se venger sur toi, tu le sais. Lucky Patcher. Ouais, bon, d'accord. Alors, attends. Bouge pas. Il y a un bouton pour ça. Hop. Du coup, c'est un challenge où tu n'as rien et il faut tout construire pour avoir une maison, une famille, une carrière. Sauf que tu as des restrictions, tu ne peux pas construire une maison tant que tu n'as pas effectué quelques prérequis. Tu ne peux pas avoir de travail tant que tu n'as pas de maison. Tu ne peux pas avoir de femme tant que tu n'as pas de maison. Enfin voilà. Du coup, j'ai mis les règles et qui ont été traduites par Massilia cet après-midi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, elles sont en français. Lire, là j'imagine qu'il y a toujours. Ah, là il y a tout ce qu'il faut. Allez, bricolage, attention aux doigts. Est-ce qu'il y a un canapé pour dormir? Bah écoute, oui. Ça va être un canapé, ça, non? Enfin, il n'y a rien d'autre d'intéressant, juste un canapé. Et puis des livres. Oui, je suis une allianceuse et je suis humaine. Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? Il fait froid, quoi. Genre, on est au printemps, il fait froid. Putain, c'est une chochotte en plus. Bon, on va le laisser apprendre tranquillement le bricolage parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à 5 en bricolage et 3 en logique. Et puis, ben, écoutez, il a survécu à sa première journée. Je suis plutôt fière de moi. Je recommande plus la salle de sport d'Oasis. Oui, parce qu'il y a les douches. Mais il n'y a pas de bibliothèque. Puis il n'y a pas. Là, pour l'instant, j'ai besoin. Non, la horde, là, ils viennent de brûler Darnassus. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ah, c'est pas possible. On peut pas faire des choses comme ça. On ne brûle pas Darnassus. Bon, personne n'y allait. Voilà, mais on brûle pas quand même. Oui, tu recommandes la salle de sport parce qu'il y a des douches, c'est ça? Pas, enfin, pour rien d'autre particulier. Si, j'ai fait les quêtes. Mais quand même, je m'en fous. On brûle pas, on brûle pas Darnassus. C'est pour Donne la salle de sport. Les gens fassent quoi de Donne? Vous voulez que je fonde une famille avec deux hommes? Je sais bien qu'on peut en allant trafiquer les options, mais on n'a dit pas de Donne dans cette histoire. Commencez pas à me perturber. Ouais, bah, ah oui, canapé. Ouais, mais là, du coup. Non, je peux pas cheater. Là, du coup, j'ai un espèce de banc, ça fait canapé, non? Genre là. Ouais, ça fait canapé. Et la douche, bon, on ira demain matin. L'instant, on va laisser lire. Bah, ce serait chou, un couple de deux papas avec Don. Oui, ce serait chou, mais on a dit pas de Don. Pas de Don dans ce challenge. Une fois de temps en temps, il faut le laisser se reposer, cet homme. Le pauvre. Mais il fait des trop beaux bébés, Don. Il fait que des bombes. J'ai un challenge sans bébé avec Don en patriarche. J'ai 90% de beaux gosses. Il y a quelques loupés, mais c'est la faute des mères. C'est. Allez hop, petit McDo commandé devant ton. Non mais genre le McDo il livre chez toi? Comment ça se fait? Bon, le McDo, si je veux bouffer McDo, faut que je lève mon cul jusqu'au McDrive. Hein. Avec Uber. Oh bah putain. La classe, hein. Moi le McDo, il livre. Walou, hein. Tu veux bouffer? Bah viens chercher. Démerde-toi. Bon, t'avances, toi? C'est pas qu'on est en challenge, mais quand même. Du coup. Deux en bricolage. Pompé la peine.
Elle est déchaînée, Grim, aujourd'hui. J'avoue. C'est pas ma sœur. Où est passée la 4? Il s'est pas compté, en fait. De frais, il faut une petite marge sur les produits. Ah ouais, quand même. On va tout se faire. Oula. Ouais, d'accord, j'ai compris le concept. C'est bon. J'ai compris ta phrase, Alexandre. Ça y est, t'as fini de lire, t'en peux plus, t'es fatigué. Eh ben écoute, voilà. Voilà, bon, voilà ton lit. Je suis en région parisienne et j'ai pas ça non plus. Voilà, il dort, magnifique. Fin de la première journée, on a survécu. Oui. Il va falloir dormir un peu plus quand même. Hein. Allez, dors. T'as la chance, dans les Sims, les bibliothécaires, elles me foutent pas dehors les SDF qui dorment sur des bancs, alors profite. Faire une sieste. Après, on va aller prendre une douche à la salle de sport et se faire des amis au parc en apprenant la logique et en mangeant des hot dogs. Magnifique. Alors, logiquement, la salle de sport, elle est... Par là, non? Je sais plus. On va aller sur la map, ça ira plus vite. Mon challenge... Alors, attends. Il est où le couple gay? Il a Brindleton Bay. Hein, en plus, tu peux suivre le livreur à la trace. Ça, c'est pratique. Mon challenger n'a toujours pas compris qu'il a beau demander une ruche, il a pas de thune, il est pas prêt d'en avoir. Crime qui refuse, donne, c'est pas un des signes de l'apocalypse. Mais non, mais je refuse pas. Mais j'essaye de me diversifier, vois-tu. Oui, ben moi, je suis comme toi, Alexandre. Je commande et je vais au McDrive. Allez, bouge ton corps. Bouge ton corps, fais amour, caméra. Pardon. Des vieux. J'ai des références bizarres parfois. Prochaine challenge, tu lui donnes de toutes les. Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Oh bah tiens, il est là. Hey, salut toi! Ça va? Nickel. Allez à la douche! Ça doit être en haut. Allez, prends une douche. Prends une douche rapide. J'ai cru que c'était à manger, j'ai de l'espoir. Oh, tiens, quelqu'un a laissé à manger à la salle de sport, dis donc. Je suis l'homme de Crimounette, mais qu'est-ce que je ferais d'un mec comme toi, mon petit Cloud? Ce serait quand même dommage pour moi, quand même. Je me moque, mais moi je bave sur Caleb. Mais Caleb aussi fait des beaux bébés. J'avais testé et il fait des bébés pas si vilains que ça. Hein, je suis l'homme de ta vie, oui. Hey, bon, si, oui, tu es l'homme de ma vie, si tu veux. Je suis tentée d'envoyer Dan en crise financière, du coup. Mais le pauvre. Mais j'ai déjà agi et les plénosas qui sont prioritaires. Bah oui. Bon, ben écoute, tu vas t'habiller, puis on retourne à Oasis Springs, manger un hot dog et faire connaissance avec les gens en jouant aux échecs avec eux. Ta vie est passionnante. Enrico? Lequel? Ah ouais, mon Cloud. Attendez, j'ai une nouvelle option. Pareil, je teste un truc. Je sais pas ce que ça va afficher. Absolument rien. Bon bah ça ne marche pas. Tant pis. Du coup, on a dit, est-ce qu'ils sont encore bons les hot dogs que t'as fait hier soir? Ouais. Nickel. Faut qu'on se fasse un peu de pognon aussi quand même à un moment donné.
Pendant que tu vas aller... Ah, il y a des choses à creuser. Pendant que tu vas aller jouer aux échecs avec je sais pas qui, moi je vais chercher des trucs à creuser. Parce que on a besoin quand même d'un petit peu d'argent. Tout de même. Oh, c'est beau ce hot dog qui dure toute la nuit comme ça. Mon Dieu. C'est magnifique. C'est vrai qu'on s'est jamais vu. C'est vrai. Oh, t'es pas le seul, hein. Il y en a d'autres que j'ai jamais vus non plus, hein, de l'époque, hein. Certains que j'aurais bien aimé voir. Eh ben, t'as qu'à me faire signe quand t'es sur Paris aussi, hein. Je peux pas deviner, moi, que t'es là. Ah ouais. Tu m'as bien cerné. Effectivement, il y a certains brins ténébreux que j'aurais bien aimé voir. Mais ça s'est jamais fait. C'est le jeu. Ouais. Au hasard, ouais. Dis-moi que je te connais, je t'ai jamais vu en vrai. C'est vrai aussi, Alexandre. Bah viens à Paris aussi, hein. Ah, faites un bus sinon. Faites un bus qui part du sud, vous passez prendre tout le monde et on se retrouve à Paris. Nickel. Vendu. Vendu, vendu. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Hop, un petit tour aux toilettes et la logique. Bon, j'ai toujours pas croisé ma future épouse. C'est pas très grave vu que... Non, ça ne sera pas Katrina déjà. J'aimerais bien avoir... Moi, je suis dans le nord, venez me chercher aussi. On paye le billet de train. On paye le billet de train et la nourriture. À me faire cher, hein. Hein, que là, vous êtes 18 à regarder le chat. Il faut que je paye 18 billets de train et 18 McDo, on n'est pas rendu, hein. Ouais, mais alors Fanny, Cloud, c'est pas une référence, hein, je... Y a personne qui veut jouer, mais si, rejoins la partie, comme ça tu discutes en même temps. Et moi je vais... Bon bah... Visiblement tout le monde avait l'air d'aimer le chinois, enfin le japonais, on ira manger des sushis. C'est encore plus cher que le McDo par contre. Ah, j'ai cru que c'était un caillou. Ah oui, c'est un caillou. Alors? Pourquoi tu veux pas creuser? Hein, n'écoute pas, je suis super. Il est horrible. Et 18 max signature, c'est celui à 12 euros. J'écoute, une fois il me faisait envie sur la photo, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Et puis j'ai vu le prix, j'ai dit, ah, c'est ça. Mais pas 12 boules dans un... Oh, il y a du café à manger, c'est bien, ça vient ici. Je mets pas 12 boules dans un McDo, quoi. C'est bon. Faut pas déconner, hein. Qu'est-ce qu'il y a par ici? N'y a rien à creuser. J'avoue, tout ce chinois, il fait fontaine de chocolat en dessert. Ah, le Fouquet's, carrément. Tu m'as pris pour Sarkozy ou quoi? T'as cru que j'avais mes entrées au Fouquet's? Creuser. Oh, il y a un truc à ramasser maintenant. Non, on ne peut pas. Non, ça, c'est pas un caillou à creuser. Il y a des coins, je pense que j'étais jamais venue, en fait. Ah, puis aussi, creuser. Oh, bah, dis donc, on va gagner. Bah, tu t'appelles bien Carla. C'était le dernier jour et il y avait un budget à écouler. Attendez, attendez, attendez. Hein, j'ai testé ciel ou bleu. Ah, le livreur arrive. Bon, bah, bon appétit, Estelle. Je suis sûre que tu es super. Ma pauvre, je t'aurais prévenu.
Ou un petit resto italien. Ah oui, moi je vote pour le resto italien parce qu'encore plus que le chinois, ce que je kiffe, c'est les pizzas. Donc voilà. Venez, on va chez Quick. C'est ça. Non, bon, il n'y a rien d'autre à ramasser. Donc tu vas pouvoir retourner jouer aux échecs après. Vas-y, va jouer aux échecs. Va ramasser tout ça. Et après, tu joueras aux échecs avec quelqu'un qui passe. Et qui c'est là? Bon, après, j'ai choisi ma future femme, mais s'il y a mieux, on peut changer, hein? Non, on va rester sur mon idée première. Oh, mon Dieu, tu es devenu adulte, Cloud? Ça y est? Allez, bah écoute, bonne nuit, merci d'être passé, gros bisous et puis à bientôt. Oui, je peux la relooker, c'est vrai que. Mais bon, j'avais déjà une idée pour. Puis j'ai fait des tests génétiques dans le CAS, donc je sais qu'ils font des beaux bébés, tout ça. Bah oui, ils sont en train de remplacer tous les Quick par des Burger King. On va se faire de l'argent. Wouhou, sans simflou. Bon. Alors. Moi, il y a toujours un Quick près de chez moi. Ah bah écoute, moi je vais pas chez Quick, j'aime moi. Fais quoi? T'es où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Ok, t'es tout seul et tu fais ce que je t'ai dit de faire. C'est pas. Non, c'est un cactus. La fille, elle est obsédée. Oh, c'est pas une pierre! Non, c'est juste un cactus. Ah bah, le livreur a loupé la rue. Rip ma bouffe. Ah merde! Bon bah, bon appétit plus tard alors. Regardez-moi ça. On est déjà riche. Blindé d'oseille. Et on tire même pas une carte chance pour tout perdre. C'est trop facile. C'est trop facile. Je suis habituée, moi, à perdre du pognon tous les jours, je comprends pas. Même des fois, perdre du pognon que j'ai pas. Je suis déçue. Bon. Allez, tu vas retourner. Bosser ta logique avec les échecs. Il est où? J'ai perdu mon terrain. Ah oui, il est là. Hop, y a qui? Tu vas aussi ouvrir. Quoi, ça te manque les dettes? Ouais, c'est trop facile là. Je dois même pas d'argent. C'est nul. Ah bah oui, hein, faut ça se trouve, hein. Vas-y, ouvrir. Alors, jouer aux échecs avec. Tiens, on va faire sa connaissance, elle. On sait jamais. Nicolas a trouvé un trophée. Voilà, allez, vendre. Voilà. Bonjour, madame. On ira voir après dans le CAS, hors ligne, s'il y a moyen de. Si ça peut le faire. Traumatisé de la crise. Non, mais moi j'ai commencé la crise. Enfin, je veux dire, pire, c'est pas possible en fait. Et encore, j'ai eu de la chance. J'ai eu le bébé que 3 jours avant la fin. Donc en fait, elle. Voilà, le bébé est né. C'était la fin du challenge. J'ai pas eu à m'occuper d'un gosse en plus. Ah, parce qu'ils font des churros chez Quick? Attends, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, hein. C'est jamais sur un malentendu, ouais. Bon, bah, discute avec elle là. Pourquoi c'est pour. Ah, si, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle te veut? Au revoir. Non, dis pas au revoir. Bon, et la logique, ça avance. On y est presque, les gars. Oh, ça va aller vite finalement. Finalement, on s'en sort bien. Ça va assez vite pour l'instant.
Et encore, j'ai pas fait la nouvelle mise à jour des règles de la crise. Les gros budgets vont pleurer. Oh bah moi je l'ai fini maintenant. Tu peux en faire un hardcore. Je vais pas recommencer tout de suite. Je vais attendre un petit peu, tu vois. Puis bon, gros budget. Moi j'ai commencé avec zéro. Alors je sais pas ce que ça fait des gros budgets, quoi. J'ai cru que j'allais faire un malaise chez Quick quand j'ai su qu'on devait y rester 20 minutes. Bon, ça y est, ça monte pas vite, hein. Arrête de la draguer et joue. Non, mais reste là. Allez, rassis-toi, madame. Oh, ça y est, elle est pénible, elle. Ah, quand même. Par contre, qu'est-ce que je suis en train de voir? Ah non. J'ai quand même eu très peur. Hein. J'ai cru que t'avais des chaussettes dans tes claquettes. Mais ça a l'air d'être des bottes. Ça va. Sinon, c'était rédhibitoire. Hein. Sinon, c'était rédhibitoire. Allez, encore un petit point de logique. Et... Non ? Allez, décide-toi. Et c'est gagné. Alors, laisse la dame. Donc, la logique, c'est bon. Et il nous faut 5 points en bricolage, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. 5 points en bricolage. Attendez, j'ai pas vu. Oh, merci, Doudou, pour le follow. C'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. Ah si, c'est chaussettes tongs, alors. C'est bien ça. Ou c'est des bottes. Vas-y, lève-toi, madame. Ah non, bah je sais pas, j'arrive pas bien à voir. Oh, et merci, KXB, pour l'hébergement. Vas-y, lève-toi, viens ici. Dis-lui de venir. Allez, lève-toi aussi. Que je vois si t'es en claquette chaussette, là. Ah d'accord, tu te rassois. Il est gonflé à bloc. Elle va être obligée de se lever. Allez. Arrête de discuter. Il veut pas faire ce qu'on lui dit. Hein. Coucou de rien. Bah écoute, ça va, et toi? Je crois que c'est chaussettes et chaussures ouvertes. Ah, mon Dieu. Rack to Rich, c'est un challenge où on part de rien et on est censé arriver à tout. Mais surtout, on part de rien. Surtout. Après, voilà. Bon, tu veux pas te lever, là, que je les vois, tes chaussettes, que je... Vas-y, embrasse-lui les mains, ça mange pas de pain. Allez. Bon, on s'en fout, tant pis. Mais bon, moi je vous le dis, chaussettes escarpins, ça va pas le faire. Il y a Tevel aussi, mais on va aller dormir à la bibliothèque. Alors. Non, t'as pas été banni, t'as eu un... C'est rien, c'est une erreur de mon mode auto, t'inquiète pas. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Du coup, pourquoi mon sim est sale? Parce que c'est un SDF, alors... Bah, j'en ai fait un sim sale. Voilà. Aïe, le miam est là, bon appétit! En fait, elle voulait pas lui parler, ouais, c'est ça. Non seulement elle a des chaussettes dégueulasses... Viens avec moi, tiens. Allez, on va te voir à la bibliothèque. Il y a tellement de monde que j'ai du mal à suivre le stream. Je lis tout le chat, je suis perdue. Imagine-moi. Imagine-moi, je dois jouer, faire le challenge, vous lire. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Allez, venez à l'intérieur avant qu'on se prenne l'orage. Je sais pas. Hein. Où il va? Allez-y, prenez une entrée chacun différent, genre vous êtes pas ensemble.
Oui, pour l'instant, c'est un clochard. Il n'a pas de maison. Enfin, il a un terrain vite fait, mais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, je sais pas trop. Fais voir. Ah, c'est des chaussures ouvertes, hein. C'est ça. Elle est en chaussettes, chaussettes escarpins. Tout est normal, tout est sous contrôle. Voilà, bah désolé, tu ne deviendras pas l'épouse du clochard. Je pense que ça va te poser problème, hein. Alors. Je regarde bon, en même temps, c'est pas simple, surtout que j'ai plus que 10% de batterie. Chaussettes avec chaussures été. Ah ouais, non mais ça. Ça là, c'est assez. C'est fashion faux pas là. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas magnifique, hein, ma chérie. C'est pas magnifique du tout, hein. Aïe, 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 aïe. Tant pis. Ça, c'est le jeu des PNJ. Bon, après, ça se relouque, hein, PNJ, mais. Bon, sinon, si on s'occupait de lui, alors on peut pas dire que son look soit bien plus attractif, mais. Oui, a priori, les bottes ne t'aiment pas ce soir. Je pense que t'as un mauvais feeling avec les bottes de mon Chan. J'en ai deux et. Et en fait, pour te répondre, Alexandre, je sais pas trop comment enlever Nightbot. Je ne sais plus trop comment j'avais fait pour le mettre déjà, donc je sais plus comment on l'enlève. Ah ouais, faut vraiment qu'ils nous mettent Christina, oui. Alors des fois là, j'avoue. Le reste n'était pas trop mal, chemise en jean, short, bon, ça passe. Mais alors, chaussettes claquettes, c'est pas possible. Le retour du dodo à la bibliothèque, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas dormi sur un canapé comme un clodo. Hein. Ah, ça m'avait presque manqué. Mais presque. Il ronfle en plus. Ah ouais, il ronfle, hein. Ah ouais. Il est beau quand même, hein. Je fais un beau Sims. Enfin voilà, il est sale, mais il est beau. En fait, attends, il fait de l'animation en plus, Nightbot, j'aime bien. T'inquiète, je vais chercher pour toi. Mais c'est ta faute aussi. Il n'y a que toi hein, qui persécute comme ça. Hein. Je pense qu'il a un mauvais feeling avec toi. Et encore, on a vu que la tenue quotidienne. Oh, l'autre fois, le jeu, il m'avait généré une tenue d'hiver pour Sonia. My God, quoi. C'est dommage, j'ai oublié de prendre une photo. Mais. Clochard, mais sexy. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue qu'il est plutôt pas dégueulasse, mon petit Olivier. S'il prenait une douche, il serait pas mal. Bon, allez, on va avancer un petit peu rapidement. Alors, du coup, la nuit dernière, il n'y avait personne à la bibliothèque, on pouvait aller vite. Mais là, il y a tout le monde qui squatte. Non, reviens dormir. Bah, dors! C'est super cool ce que tu fais. Quel est le but de ce challenge exactement? Bah, merci déjà. Merci déjà. C'est un rag to rich. Donc, tu pars de rien du tout. Hein. Il est clochard, hein, mon Sims, comme tu peux le constater. Il dort dans la bibliothèque. Et faut, à l'arrivée, il faut avoir une maison, un travail, une famille. Voilà. Mais tu as des restrictions. C'est-à-dire, je ne peux me construire de maison que quand j'aurai une compétence en logique et une compétence en bricolage et que j'aurai donné 500 simflouzes. Voilà, de pénalités, et puis je peux pas travailler tant que j'ai pas de maison, et enfin voilà, c'est que des choses comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de maison, j'ai juste un grand terrain tout vide. Et pour gagner de l'argent, je récolte un peu ce que je trouve, et je dors à la bibliothèque, et je me lave à la salle de sport, et je mange au barbecue du parc. Voilà. Si vous voulez jeter un œil aux règles, je vous remets les règles, enfin, je vous remets le lien. Vers les règles qu'a traduit Massilia cet après-midi. Voilà, sur le forum officiel, les règles sont en français, donc si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas.